camion directement, le parking. Oui, t'as fait, t'as fait. Ouais, parce qu'il demande du bois, mais il a dit, hein, ça serait mieux avec du bois. Ouais, du moment que c'est pas Jack Daniel, c'est les autres de l'or. C'est con, parce que les, ceux de l'or, on les conseille les piquer tranquilles. C'est clair. C'est ça que j'avais pas. Bah, c'est bon, j'ai envoyé le message. Et ça, c'est-à-dire il s'est grillé tout seul déjà, c'est-à-dire qu'il est en alliance avec. Regardez à droite déjà, à droite au vendeur de verre. Camion déjà. Ah non, c'est Dak Daniel, c'est Dak Daniel ici. Ah à droite, à droite, parfait, deux camions, deux camions. On les prend. Allez, les coups. Direct. Hein. Quelqu'un derrière. Bonjour, messieurs. Ne bougez plus, plus personne ne bouge. Allez, personne ne bouge, dépêchez-vous. Un sur la tête. Ben, allez, 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 allez. Allez, donnez les clés de vos camions, donnez les clés de vos camions. Les clés de vos camions, vous les donnez, vous n'avez plus de GPS dessus. Faut faire ça rapidement parce que le mec il nous a capté. Allez, donne les clés de ton camion, dépêche-toi. Dépêche-toi, allez, les clés de ton camion. On n'a pas le temps. Enlève les mains de ta tête et donne les clés de ton camion. Le mec avec la voiture bleue, encore repassé. Je vais tirer dessus là. Je vais tirer dessus. Oui, effectivement, allez, on se casse, on prend les camions, on se casse. Tu feras gaffe, t'es tout nu, Luc est sur le côté. Allez, les clés des camions, les gars, s'il vous plaît. Je dois me faire passer par les gars, j'ai 2 secondes. J'ai allez, les clés des camions. Attends. Juste par contre, on va juste savoir qui est-ce que vous êtes là. Non, donnez-nous les clés des camions, dépêchez-vous, négociez pas là, sinon on crochette, c'est pas grave. Allez. Les deux là. On prend pas votre thune, on vous laisse votre thune. On veut juste les clés du game. Non, il est pas mort, il s'est cassé. Je les donne à qui? À moi là, monsieur. Vous me les donnez, mais vous savez pas mon nom, monsieur Slav. Et où les gars? Alors, on a pas les soldats à la sortie. Slav, Yougoslav, dépêchez-vous. Clé du camion. Vas-y, dépêche-toi s'il a pas les clés du camion, t'as pas. Allez, l'autre. Côté ville. Allez, le deuxième. Bah c'est bon, vous avez les clés là. Non, y'a pas, j'ai pas les clés du deuxième. Ouvre-le au pire, ouvre-le. Ouvrez-les. Ouvrez-les deux camions, c'est bon, on se casse. Passe pas par la route, hein, tu pètes les barricades, tu passes Attendez, avec la voiture les gars, avec la voiture, attendez-moi. J'arrive aussi. Deuxième camion, prenez-le les gars. Prenez le deuxième camion. Attends-moi la voiture, je suis là, 2 secondes. Quel camion les gars? Il revient sur nous. Y'a le fils qui arrive sur nous. Voiture s'il te plaît. Attends-moi camion le chien. Y'a le fils qui arrive les gars. Ouais, sérieux. On arrive, attendez, on a des problèmes là. Les gars, on a des problèmes, ok. Les gars, je suis poursuivi. Ok, c'est vous, c'est vous. Faut qu'on ait. Le camion sur la route. Jack Daniel, on s'est tiré. Vous êtes vers où, les gars? Vers Jack Daniel. Le Zabak, tu suis derrière? J'ai une voiture qui me fait du takedown. Ok, rapproche-toi de moi, je vais la fumer. On est sur la route là, on va attendre dans le scan. C'est bon, il a pas traversé chien. Ok. Bah les copains ils sont arrêtés. Je ramène le sur nous, on est en position. Je vais équiper le camion du coup. Fais gaffe qu'il les récupère pas avec les clés. Il suit toujours derrière. Ah t'inquiète pas, on est un peu plus loin. Côté tout droit, on est un peu plus loin. C'est lui devant vous. Vous l'avez eu ou pas? Il a tourné à droite, hein. Il est parti à droite en hors-piste, les gars. Attention à votre gauche, pardon. Il est parti à votre gauche, faites gaffe quand vous passez. On se distribue.
sert vers où, parce que moi il me flanche, je m'arrête sur un passe-mal. C'est vous derrière nous? Ouais, ouais. Ok. Faut envoyer un message au mec là. Ouais, ouais, bah attends, il y a le téléphone nous, mais on conduit là. Bah, on est là, Je prends le chemin de terre qui est en face, ok? Ok. Pour leur dire qu'on est dans la merde. Ok, on va aller se cacher, Pipi? Ouais, je t'écoute. Comment dire? Dès que tu trouves un petit chemin de terre ou machin bien caché, on s'enfonce dans la forêt, ok? Ok, j'ai pris. Et on. Ouais, ouais, ils ont. Ah, ouais, merde. Ouais, mais le truc, c'est qu'on peut pas rouler là si on se fait choper par les flics. Et... Pardon, Vous avez suivi ou pas? Non, on a pas suivi. Nous, on est parti pour comme si on voulait aller au Méré. Sauf qu'on a tourné à droite après le pont, là, le gros pont de terre, en bois. C'est dans la voiture, vous êtes safe. Droite, mais droite, il faudrait venir me chercher si vous pouvez, si vous êtes dans le coin. Je vais vous donner un rendez-vous parce que du coup moi je suis parti, les collègues sont partis avant. Du coup là je suis en train de courir dans la forêt. Pipi? À l'écoute. Ok, ok, va pas trop loin. Tout droit au pont en bois. Tu vois le gros pont en bois pour aller vers Oméré, le plus grand là. Et ben on a tourné à droite à la prochaine route de terre. On est en 117-089 sur la petite route. En fait, au lieu de continuer tout droit pour aller au Méré, tu tournes à droite, c'est tout. Ouais, j'ai envoyé un message au mec. Ok, nous on se délocalise, on bouge. Ok, on arrive au traitement de tissu, on est sur Méré nous déjà. J'ai demandé un point de rendez-vous. Ok, on va les cacher sur Méré ou quoi, Pipi? Bah ouais, tant qu'on est sur Méré, on est loin là du coup. Ouais. On est loin, faut faire gaffe quand même parce que du coup ils ont les clés. Ils nous contactent dans 10 minutes, ils sont en rendez-vous. Ok, ouais, mais qu'ils se grouillent parce que là. Jack, on se rejoint à la station de service où on fait échange pour le verre, ok? TP8. Bah logiquement ils ont plus de clés, hein, j'ai dit qu'ils avaient plus de clés. Bonjour messieurs. Re bien le bonsoir. On est de PD, vous nous êtes donné là. Ouais, les PD. On parle d'un très bon homme. Vous n'êtes pas les PD. C'est nous qu'on a fait tout le travail, c'est nous qu'on doit rester là où tu fous ma gueule là. Tu fermes ta gueule et tu gardes le camion. Même chose pour vous, vous allez fermer votre gueule et vous gardez votre tout le monde les mains sur la tête là, vous vous dépêchez. Ouais, les mains sur la tête. Oh bordel. Allez, tout le monde met les mains sur la tête, vous dépêchez. On se dépêche là. Oh.
Et tirez pas s'il vous plaît. Ou que vous soyez tirez pas s'il vous plaît. Tirez pas s'il vous plaît, j'ai rien fait, moi je suis un civil, c'est tout. Faites vos affaires, moi je veux juste partir. Je sais pas si vous m'entendez de là. Moi je veux juste m'enfuir, c'est tout. Devant moi, toi. Tu vas monter là-haut, là. Oui, monsieur. Tu montes là-haut, là, en clivier, là. Je veux t'entendre par les feux, là, et tu avances là-haut. C'est quoi, cette putain de voiture, là? Je veux pas t'entendre, là, pour le moment. Je dis rien? Ok. Quoi, ton nom, à toi, là? C'est monsieur, c'est monsieur Slav. J'étais camionneur, c'est moi qui vous ai ramené le camion. C'est bon monsieur, je fais rien, je rejoins juste mes collègues. C'est moi. Normal. Lève-les, tourne les mains sur la tête, là, tout de suite. Oh oui, c'est moi. Normal. Le mec, il nous menote, il nous abandonne dans la voiture, il va nous vendre des camions volés. Planquez, bougez pas, vous deux. Oh, c'est de la galère. Attends. Pas chier. Vous êtes menotté? Quelque chose pour nous quand on s'occupe de. Ouais, on est menotté. Faut qu'on s'occupe de tous ces gens. Barre avec la salope. Gaffe, il fait demi-tour, il est derrière. Il est derrière. Regarde, ok. Il est là, il arrive.
des vrais débutants. Bah franchement, on aurait dû garder ce qu'on avait avec nous. Mais vous êtes à poil là? Ouais frère. Même les armes et tout? On a tout posé tout à l'heure. Il est parti la voiture là-bas ou pas? Ouais, je la vois plus. Attends. Ah non, attends, je la vois, elle est emballée sur la route des pierres. Elle remonte, elle remonte, elle remonte. Ok, attends. Ouais, il arrive. Oh, ouais, t'inquiète. Allez, il va nous aider, lui au moins. On est d'accord, il voulait nous aider. Nous, monsieur, ne nous abandonnez pas. Ils ont fui comme des lopettes. Hein. Pas tranquille. Je crois. Ils ont menotté, ces salopes. Qui donc, ils sont où là? Mais on sait pas. Ils ont fui. Ceux sur qui vous avez tiré. En fait, on vient de comprendre que les camions, on les a entendu parler, que les camions, ils étaient pas très clairs en fait. Et nous, ils ont voulu nous les vendre. C'était qui? Vous avez des noms là? Donnez-moi des noms. Il n'y a pas de nom. Un numéro crypté avec une puce qui allait s'autodétruire et nous aider. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'ils tiennent à la nature. Bah, c'est le seul truc qu'on peut vous dire, hein. Ils tiennent à la nature, au petit lapin, tout ça. Ouais, ils nous ont parlé longuement de leur putain de lapin d'enculé. Les enculés, ils nous ont mis à l'envers, ils nous menottent et ils nous abandonnent ici, ces salopes. C'est quoi ton nom à toi, là? Watson, Billy. Je vais les retrouver, je vais les crever, ces salopes. Ramener... T'as ton petit permis dans ta poche, ouais. T'as ton petit permis ou pas? J'ai le permis voiture, ouais, mais j'ai pas de carte d'identité. Ouais, t'as le permis voiture, ce petit nom là, je vais le garder, c'est ton permis. Mathieu, tu veux faire ton aise. Ouais, d'accord, parfait. Et votre permis, d'accord, très bien. Pareil pour moi, j'ai pas mon pas mes cartes d'identité sur moi, mais j'ai mon permis. Donne-moi ton nom, vas-y. C'est monsieur Slav, Yougoslav. Très bien, parfait. Bon, je vais vous le contacter, vous avez des petits numéros là, donne-moi-en un. Oui, quoi. 06 34. On l'a déjà peut-être, ouais, vas-y, donne-moi-le quand même. 06 34, Hugo 36, Slav 09. Ok, t'es le bien. T'aurais moyen de décrocher la merde. Attends, je vous décroche. Je peux le faire? Ok, d'accord. D'accord. C'est bon. Oui, non, c'est bon. Oh le bordel, que c'est quoi? J'ai pas compris en fait, c'est qui eux? Pas en fait. Non, ils seraient repartis avec. A mon avis, c'est des mecs qui nous avaient passé quand on faisait une magouille bizarre. Ils m'ont tiré ma caisse en plus, ces salopes. Il y en a un devant moi, il est encore vivant, je le tue ou pas? Il y en a un devant toi. Attends. C'est vous là en voiture? Ouais. Attends, Yoko, le tue pas, on irait pas le capturer pour le... Un mec d'où? Viens d'où celui-là? Je sais pas. Ah, il était avec eux. Ouais, c'est les braqueurs, ceux-là. Putain de merde. C'est celui qui était avec nous ou celui qui nous a braqué? Non, celui qui braquait. Ah, il est avec le monsieur en noir. Hein. Tu penses? Non, il l'a tué. Le monsieur en noir, il l'a tué. Hein. Ceux qui nous ont laissé menotter, moi, c'est eux que je vais... Ouais, bah c'est eux. C'est le monsieur noir là. Il est pas lui là. Ouais, lui. C'est toi qui nous a demandé les camions là. Hein? Tiens. Tardinamok. Tu nous fais faire du bon boulot là. Nous on te ramène les camions une demi-heure. Vous nous faites porter une heure. Les propriétaires ils arrivent avec les GPS de merde. On se fait tirer dessus. Je perds mon frère. Et tes amis ils nous laissent menotter. Hein? Couille molle va. Espèce de couille molle. On aurait eu des armes. On aurait fait le boulot. Couille molle va. Allez venez on se barre. Laissez-le crever cette. Non, attends. Là. Moi je n'accepte pas, ils ont tué mon frère. C'est bon, je l'envoie. J'étais pute, quoi. J'ai bouffé du lapin maintenant, pourriture. Bien, vous avez fait du très bon boulot, bande d'amanteurs. Vous nous faites attendre une heure à 500 mètres. Faut pas s'étonner que les propriétaires aient nos coups. Bande de nos. Tenez l'enjou, je l'envoie en intensif là.
Et du coup, y'a qui est mort sur l'OP? Chien. Allez, dégage à la cage, sans cumul. Ses copains, ils sont aussi mauvais que lui. Hein. Qu'on y était. Ils nous font passer. Même, t'avais, ils sont repartis en repli, ils étaient, ils bégayaient un peu, ils avaient. Et ouais, et puis parce qu'ils croyaient que c'était nous quand on fait venir les mecs, mais c'est pas nous, c'est eux qui nous ont mis dans cette merde, qu'on fait du boulot de merde. Ouais. Ils seraient venus direct quand on avait dit c'était bon. Bah, tu peux aller où mérer, s'il te plaît, gros. Allez, tiens, je te tape sur les épaules. Allez, motive-toi. Vous êtes prêts, messieurs dames? Vous êtes prêts? Allez, viens t'énerver là. Oh là là. Ah, je crois.